Bienvenue à tous dans ce live dénouement, le grand live dénouement durant lequel nous allons enfin connaître le nom du grand gagnant du concours qu'on a réalisé en partenariat avec Bridge.audio. Vous nous avez envoyé vos musiques, on les a écoutées, toutes, je précise. On en a présélectionné et c'est maintenant l'heure de la grande finale. Alors sont présents avec moi Clément de Bridge.audio que vous connaissez peut-être car nous avons réalisé ensemble un workshop il y a quelques mois. Je m'étais d'ailleurs promis suite à ça de ne plus jamais faire revenir de batteurs sur la chaîne, mais vous savez comment ils sont. Hein, les batteurs, vous les faites sortir par la porte, ils reviennent par la fenêtre. Voilà, c'est comme ça. Donc le sujet du workshop, c'était la promotion de vos prods auprès des professionnels. Et justement, aujourd'hui, on en a un de professionnel qui est avec nous, c'est Steve. Salut Steve. Salut, salut Grégoire. Salut tout le monde. Ça va bien? Ça va bien, écoute, merci de m'accueillir. Hein, c'est bah, écoute, c'est nous. Donc Steve, tu es superviseur musical, c'est-à-dire que tu places, en gros ton rôle c'est de prendre des musiques, de les placer dans des films, dans des séries, dans des documentaires aussi. Ouais. C'est ça, ouais. Okay. Je fais pas de pub, je fais que du cinéma, séries télé, documentaires. D'accord. J'ai fait une seule pub dans notre vie dans le cadre de la société Noodles, dans laquelle je travaille depuis 11 ans maintenant. D'accord. On est trois avec Pascal Maillard qui a créé la société en 2009. Et on n'a fait qu'une seule pub, c'est parce que c'est Gaspard Noé avec qui on travaille beaucoup, qui était venu nous voir pour une pub Saint-Laurent qu'il faisait, qui était plus un espèce de court-métrage qu'une pub à proprement parler. Donc, il y avait moyen de s'exprimer avec une longue synchro et un temps de musique à l'image assez long. D'accord. Ce qui est moins le cas en pub où c'est plutôt des petites pastilles de 10, 15, 30 secondes maximum. Et là, il y avait une vraie recherche et on était en direct avec Gaspard. Là où voilà, la pub, ça peut être un peu plus compliqué, il y a plus d'intervenants, plus de paliers de validation. Là où le cinéma ou la série ou le docu, c'est le circuit plus court. On est souvent en direct avec les réalisateurs ou les réalisatrices et leurs monteurs. Donc c'est plus simple. Voilà, c'est pour ça qu'on ne fait pas forcément de pub. D'accord, ok. Voilà, donc pour préciser, c'est donc toi qui vas faire le grand choix final et élire le grand gagnant de ce concours qui aura le droit, du coup, à un entretien téléphonique personnel de 30 minutes minimum avec toi pour échanger sur la musique, évidemment, répondre à toutes les questions du genre hey, « comment on fait pour mieux faire connaître sa musique? Qu'est-ce qu'il faut que je change dans ma musique, à ton avis, machin? Comment je fais pour gagner de l'argent ?» Enfin bon, aborder aussi les sujets légaux, pourquoi pas. Et quand je dis légaux, c'est pas les petites pièces, non, c'est pas les jouets, hein, c'est voilà. On essaie de faire un peu d'humour, tu sais, on est comme ça ici. Et donc, le gagnant intégrera aussi la playlist de référence de Steve. Et donc, forcément, par la même occasion, il aura plus de chances d'être considéré et intégré à divers projets, etc. etc. Donc, c'est franchement un cadeau plutôt cool. Alors, Clément et moi-même, nous l'avons aidé dans la présélection parce que vous avez été très nombreux à envoyer des chansons. On a eu combien de chansons? Alors, chansons, je crois qu'il y a 450 participants. Je crois des chansons, il y en a peut-être 700, 800, quelque chose comme ça. Ouais, donc c'est vraiment, on a été agréablement surpris. Et puis, agréablement surpris aussi par la qualité globale qui est assez folle. Franchement, bravo à tous parce qu'on a été assez impressionnés. Vraiment, moi je l'ai été, vous allez vous dire, ouais, bah toi, c'est facile d'être impressionné, mais Clément et Steve aussi ont été impressionnés, comme quoi, eh, voilà. Et donc, du coup, on a fait une présélection avec Clément, et on a chacun écouté pas mal de chansons et tout ça, on a fait une présélection, et alors, je vous vois venir, parce que sur Audio Fanzine, il y en a qui disent, ouais, mais alors Grégoire, je le connais, il va choisir ses copains et tout. Alors, je n'ai pas d'amis, sachez-le, donc ça ne peut pas arriver, du coup, demander dans la rue... à n'importe qui, est-ce que tu es l'ami de Grégoire? Ils répondront non, c'est sûr. Donc voilà, est-ce que tu as des amis, toi, Clément? Pas des masses non plus, ouais, non, c'est ouais, vrai. voilà. Donc, non, soyez-en sûrs, vraiment, ça a été fait. Juste, on a kiffé, en fait, on a sélectionné juste voilà, nos morceaux préférés. Alors, il y a plusieurs types de morceaux, d'ailleurs. Peut-être que vous voulez en parler, tous Ouais, les deux. ouais, tout à fait. Déjà, effectivement, je confirme ce que dit Greg. C'est vrai que je ne me suis pas défendu quand je me suis attaqué sur le côté batteur. Je pensais que j'avais même pas de son, je ne sais pas pourquoi. J'ai pris les coups docilement et après, j'ai arrêté de parler quand il m'a répondu. Mais ouais, effectivement, c'était sincèrement super bluffant la qualité générale. Et ce n'est pas juste pour faire plaisir aux auditeurs.
Moi, alors, je ne sais pas vraiment préciser ce que je faisais avant de faire Bridge Audio, mais Bridge Audio, c'est ma deuxième boîte. Avant, je faisais de la supervision musicale pour le cinéma et la pub. C'est pour ça que Steve, gentiment, disait qu'il y avait des gens aussi très sympas dans la pub, hein. Pas que les gros stars, mais on en reparlera. Et effectivement, l'exercice qui consiste à faire ce que fait Steve aujourd'hui, à savoir écouter de la musique d'artistes ou de labels qui nous soumettent des titres, c'est un exercice qu'on fait souvent dans notre métier. On a dans pas mal d'événements professionnels, on a ce qu'on appelle Meet the Music Supervisor, ce qui est généralement un rituel assez classique où on va pouvoir envoyer sa musique à plein de superviseurs et les rencontrer pendant 5 à 10 minutes. Ou bien il y a un autre format qui existe souvent, qui sont des pitch sessions où en gros on va pouvoir faire écouter sa musique en live par 4-5 superviseurs musicaux. Et c'est vrai que quand on a eu l'idée de ce projet avec vous chez Audiofanzine, on s'est dit que ça pourrait être cool de faire ça de manière plus dynamique, plus ouverte auprès de tous ceux qui sont aujourd'hui des lecteurs et des lecteurs d'Audiofanzine. Et du coup, là, en l'occurrence, pour avoir fait souvent cet exercice, il y a des moments où c'est un peu gênant, hein, où on peut recevoir des trucs, enfin, on peut écouter des trucs en live pas dingue du tout. Là, j'étais, encore une fois, bluffé par la qualité générale de ce qu'on a reçu. Donc, c'était forcément un peu dur. Ceux qui ne verront pas leur titre dans la sélection, ne vous inquiétez pas. En tout cas, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas trouvé des titres intéressants. Et pour compléter aussi ce qu'il y a à gagner, entre guillemets, même si ce concours, c'est presque plus un prétexte qu'un gain très physique ou concret de gagner de l'argent ou que sais-je encore. Là, l'idée, c'était aussi justement d'expérimenter cette formule pour faire connaître votre musique à un professionnel du secteur et avoir l'échange qu'on va avoir aujourd'hui, où en gros, au-delà d'être dans la playlist de Steve ou pas, l'idée, c'était aussi de donner un petit peu des informations de ce qui se passe vraiment dans la tête d'un superviseur, des Bien échanges joué. qu'il peut y avoir entre tous les gens qui travaillent dans cette industrie et lever un peu le voile sur ce métier qui est un métier donc on est tous conscients qu'il est passionnant parce que on voit bien maintenant, notamment dans les séries, qu'il y a toujours des crédits sur les superviseurs. C'est un métier qui est sorti un petit peu de l'ombre depuis une Quinze quinzaine années. d'années. Mais même s'il est un peu sorti de l'ombre, je pense qu'il y a encore plein de zones d'ombre peut-être dans l'esprit de celles et ceux qui s'y intéressent. Donc c'est un peu à ça surtout dont on veut parler aujourd'hui tous les trois. Donc Ouais, parce que je pense qu'effectivement, même si, d'ailleurs, je pense que sur le chat, tout le monde n'a pas participé, mais je pense que même si vous n'avez pas participé, il y a des infos intéressantes à prendre. Ça, c'est clair aujourd'hui. Donc, petit disclaimer. Donc, comment ça va se passer du coup aujourd'hui? Alors, on va se mettre sur Bridge Audio. Hop, voilà. On est donc sur le site Bridge Audio, ici, tout simplement. Et donc, on a fait voilà, une présélection. Donc, une petite playlist déjà. Donc, il y a quoi? 23 tracks, c'est ça? ouais, en fait, on a sélectionné. Alors, finalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a coupé les soumissions en deux catégories, les chansons et les morceaux plutôt instrumentaux. Alors pourquoi on a fait ça? C'est parce qu'en fait, dans la musique à l'image, finalement, il y a en réalité deux métiers. Le métier de superviseur musical, c'est un métier qui consiste à conseiller ses clients sur leurs choix musicaux. Mais ces choix musicaux, ils peuvent être de deux natures. Soit c'est une musique qu'on va faire composer spécialement pour le film, la publicité ou le jeu vidéo qu'on nous confie. Donc ça, c'est ce qu'on appelle chez nos amis anglo-saxons du score. Chez nous, on appelle ça de la musique originale. Donc, généralement, c'est assez souvent de la musique instrumentale. C'est celle qui va finalement accompagner les émotions du film. Donc ça, on a fait une sélection un peu plus focalisée sur ce côté musique instrumentale à potentiel cinématographique, pour parler un peu de manière assez large. Et il y a un autre registre dans le métier de superviseur musical qui consiste à aller chercher des œuvres existantes. On appelle ça dans le jargon la synchronisation. Alors, ceux qui connaissent déjà tout ça m'excuseront pour le côté très Non, non, mais pédagogique. attends, on est là aussi pour apprendre, hein. Voilà, on appelle ça la synchro. C'est un nom un peu en plus galvaudé qui consiste finalement juste à trouver un morceau du commerce et le placer sur des séquences de films et notamment des séquences parfois anthologiques. Je dis ça parce que j'ai regardé hier Pulp Fiction pour la je sais plus combientième fois. Et donc là, typiquement, c'est l'illustration parfaite de l'utilisation de musique préexistante dans un film. Bah Tarantino, il fait quasiment que ça, hein, j'ai l'impression. Tarantino, il Ouais. faisait même que ça parce qu'en fait, il avait peur des compositeurs, mais il a Il a fini, je fini par en crois. faire un avec Ennio, quand même, Ennio Ouais. Morricone. Oui. Il Exactement. a Il a fini pris le. par se dire qu'il Ouais. n'allait pas se faire Ouais. phagocyter par ces ordures de compositeurs de musique qui peuvent dénaturer son œuvre.
Ah, mais c'est un peu ça. Et Non, parce surtout, qu'il en a longtemps acheté, je pense, des musiques de Ennio, de BO de Ennio. Et à un moment, je crois que Ennio, Morricone, il a dit, ouais, j'accepterai plus. Et du coup, il a passé le pas et il lui a confié la musique originale d'un film. ouais, un peu Et... contraint, mais je pense qu'il y a aussi peut-être le kiff, quoi. J'imagine son kiff au lui, c'est, j'imagine c'est un mec qui adore la musique et voilà, il y a aussi le côté, je fais ma petite playlist quoi dans mes films, j'imagine. Exactement. Et vraiment, c'est aussi assez souvent lié à... Les gens qui sont réalisateurs sont très souvent quand même assez contrôle fric. Hein. C'est-à-dire que si tu es un réalisateur, c'est que tu as envie de raconter une histoire, d'être en maîtrise de ce que, de la façon que tu vas avoir de la raconter. Et c'est vrai que dans une œuvre audiovisuelle, alors je vais essayer de pas être trop loin dans le côté pédagogique, mais il y a trois auteurs. Il y a ceux qui écrivent le scénario, donc les scénaristes, qui peuvent être le réalisateur lui-même, le réalisateur, et le troisième auteur, qui est le compositeur de la musique du film. Et ce compositeur, ce qu'il a d'un peu particulier par rapport aux deux autres, c'est qu'il a un langage qui est spécifique, qui est celui de la musique, qui semble souvent un petit peu plus complexe à appréhender pour des gens qui ne maîtrisent pas complètement ce langage. Et du coup, c'est vrai qu'il y a eu, dans l'histoire du cinéma, des réalisateurs qui avaient un petit peu peur que leur film leur échappe, alors que quand tu choisis des musiques en avance, tu es sûr du résultat, tu vas pouvoir monter la scène dessus, et on sait bien que, voilà, typiquement, Tarantino, Xavier Nolan. Dolan et quelques autres étaient plutôt friands de musique originale, préexistante, pardon, peut-être justement parce qu'il y a une petite crainte Bah, du de vide, faire du ouais, de, contrôle. ouais, de jeter dans le vide avec un compo et de créer quelque chose qui n'existe pas, quoi. Ouais. Donc voilà, pour relier tout ça à notre concours, Ouais, comment ça et va ben, se passer du coup? ben on a scindé finalement ce qui était plutôt les chansons de ce qui a plus une nature de score potentiel. Bien que, encore une fois, il peut y avoir des titres instrumentaux qui peuvent finir Comme en des synchro synchros. sur un film. Mais c'était juste pour un peu dissocier. Donc on va démarrer, si je ne dis pas de bêtises, par des écoutes de chansons. Ouais, donc ils sont ici. Voilà, qui sont ici. Alors, est-ce qu'on va tout écouter? C'est la question. Ben, on ne va pas tout écouter, malheureusement. Alors, je précise que nous, on a tout écouté, hein. Ah Voilà, ouais, c'est on juste a... pour le live, on va pas pouvoir tout écouter. Je pense que vous comprendrez facilement, hein. Je veux dire, sinon le live durerait, ça serait le Téléthon, sinon. Mais du coup, voilà. Ouais, comme disait Clément, Grégoire, c'est en effet, c'est ça peut être ingrat pour les gens qui ont envoyé des choses ou quoi, mais là, c'est juste de dire qu'en plus de ça, c'est subjectif. Moi, j'ai écouté ce qu'on m'avait soumis. Ça veut pas dire que si on cite pas votre morceau ou que il est pas, vous le voyez pas, que c'est foutu, ça a rien à voir. C'est juste que au-delà de ça, un music superviseur, bah, il a énormément de musique à écouter. C'est une chose, mais au-delà de ça, ça ne veut pas dire que si la musique est pas retenue ou que voilà, on l'a pas mis de côté et que ça ne peut pas ressortir à un autre moment. Encore une fois, voilà, ce milieu-là, la supervision, en effet, ça reste aussi le filtre du réalisateur ou de la réalisatrice, où parfois, nous, on a plus ou moins de place à prendre dans un dialogue avec eux, où il y en a plein qui savent déjà ce qu'ils veulent, il y en a qui savent pas, donc voilà. Parfois, on propose des choses en essayant de créer un dialogue et de faire qu'ils s'ouvrent un peu plus parce que, comme disait Clément, c'est un peu, parfois, ils sont frileux parce que la musique peut faire dire autre chose, complètement autre chose à leurs images. Et du coup, ils sont hyper frileux par rapport à ça et ils ont énormément de réticence parfois à utiliser de la musique ou même à dire, ah, mais je vais mettre ça, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi, etc. Bon, voilà. Et souvent, même, il y en a plein qui pensent pas à la musique, qui réfléchissent pas à la musique sur leur film, en fait. Et qui dissocient complètement ça. C'est moins le cas aujourd'hui. Il y a plus une génération de jeunes réalisateurs et de réalisatrices qui ont grandi en fait avec la musique. Ce n'était pas forcément le cas de réalisateurs auparavant. Voilà, il y a des exceptions, mais c'est vrai que voilà, tout ce qui est supervision de synchro, notamment, on sent quand même aujourd'hui qu'il y a plus de place dans pas mal de projets, que ce soit des séries ou des films, quoi, des longs métrages. Yes. Exactement. Et du coup, là, en tout cas, on va bah, le principe, donc on va écouter d'abord les chansons, puis les musiques plutôt instrumentales. On va écouter les cinq premiers et on va parfois couper, on s'en excusera. Enfin, c'est Greg hein, qui va couper. Ouais. C'est moi le fautif. Vous avez C'est vu toi. comment il est? Franchement. On va pas forcément tout écouter, mais on a tout écouté. C'est juste pour donner le plus de temps de parole à chacun des artistes qui a soumis des titres. Donc, on va écouter pour chaque catégorie les cinq premiers. On va aussi essayer, autant que possible, si l'heure tourne pas trop vite, de donner des informations sur les cinq suivants, mais sans forcément les écouter. Voilà.
un petit peu l'idée. Donc, Yes. n'inquiétez pas si ça, si c'est coupé avant le refrain, qui est génial. On l'a entendu le refrain, et c'est aussi pour ça que c'est dans la sélection. Ouais, carrément. Bah écoutez, vous voulez du coup, dites-moi ce que je fais. Je suis, vu que c'est moi qui contrôle le petit navigateur, dites-moi, et puis Bien. ce que Et je ben, lance. on va pouvoir lancer. Ah oui, non, je veux juste dire un tout petit truc voilà, avant Vas-y. de lancer. Justement, pourquoi enfin, moi, j'étais dans la supervision musicale. Et pourquoi j'ai lancé cet outil, c'est qu'en tant que superviseur musicaux, on reçoit énormément de musique. Et en fait, notre volonté, généralement, c'est d'en découvrir le plus possible. Mais aujourd'hui, justement, il manquait un peu un outil pour facilement recevoir et facilement écouter. C'est pour ça qu'on a mis en place cet outil Bridge Audio, qui en fait s'inspire d'un outil qu'on avait mis au préalable en place au sein de ma précédente société qui s'appelle Criminal. Et tout l'objectif dans cette histoire, c'est de raccourcir, un peu comme le nom de l'outil l'indique, la distance entre tous les acteurs de la chaîne de l'industrie musicale, et faire en sorte que bah, pour Steve ou pour nous, en un clic, on peut écouter votre musique, en un clic, on peut l'ajouter sur notre propre espace. Et donc, en un effort minimum, en fait, si, entre le moment où on aime une musique et le moment où on va pouvoir le proposer sur un projet sur lequel on bosse. Alors nous, en l'occurrence, on a plutôt travaillé dans la supervision musicale, mais c'est tout aussi vrai pour un label ou autre. Ben, on va pouvoir se mettre à travailler à la seconde qui suit, en récupérant non seulement les fichiers qui nous intéressent, mais les métadatas associés. Là où, jusqu'à présent, avec l'absence d'outils comme ça, on se récupère un WeTransfer qui expire une fois sur deux, on le remet en local et on le remonte, tout ça. Donc c'est un peu ça aussi dont je voulais parler, parce que justement, je voyais, comme l'enjeu, c'était aussi de se servir de l'outil pour justement montrer la facilité avec laquelle les fichiers peuvent être streamés, écoutés, réintégrés dans une playlist. Voilà, ça vous explique un petit peu pourquoi aussi on s'est amusé à organiser ce concours. Yes. Et donc, tout cela étant dit, on peut lancer l'écoute, tu peux lancer le projet. Ok, Normal. et vous me faites signe encore hein, quand j'arrête. Celui avec la petite tambour, on attend que ça. On commence avec une belle intro. Yes! Ah bah ouais, bah c'est moi hein, qui étais tombé là-dessus, je crois, à l'origine. Bah, c'est vrai que l'intro était un peu longue, mais je n'ai pas forcément écouté les morceaux en me disant ça, en me disant qu'on allait écouter que 30 secondes au début. Mais bon, voilà, dans la globalité de ce morceau, c'est vrai que moi, ça m'a fait penser à des productions de groupes que j'aime bien, avec lesquels j'ai pas mal évolué aussi, grandi. Mais ça fait penser un peu à de la prod un peu de Justice, des choses comme ça, avec une montée un peu crescendo, de la voix un peu sur ouais, plus leur deuxième album. Mais des titres audio, vidéo disco, où il y avait ces voix-là un peu filtrées, il y a ce côté-là. Donc ça peut toujours faire l'effet escompté sur des scènes un peu épiques, mais aussi bah, potentiellement, moi j'ai beaucoup le cas de remplacer potentiellement des titres parce qu'il y a des problèmes de budget ou qu'on n'a pas les droits ou que voilà, c'est complexe. L'écriture est bien, tout y est, donc ça fait l'effet qu'il faut, quoi. Oui, puis l'inspiration dans la musique, hein, de toute façon, tout le monde s'inspire de tout le monde. Il y a un moment où voilà, quand on connaît un petit peu la musique,
Voilà, c'est pour moi, c'est pas un problème, en tout cas. Mais Moi, j'ai beaucoup aimé aussi le côté un peu Super Tramp dans l'intro, notamment. avec le Donc, rose. pour le coup, s'il fallait le pitcher à son tour, et encore une fois, je ne sais pas si le compositeur ou la compositrice va être crispé avec ses références, mais on est obligé à chaque fois d'essayer de donner des éléments de contexte. C'est-à-dire que là, on peut dire que c'est une espèce de rencontre entre Justice, comme disait Steel, et Super Tramp. Et en plus, il y a une fin qui est absolument ouf, là aussi, dans le track, on le voit un peu plus Ouais. tard, là, sur la forme d'onde. Ça s'énerve un peu plus. Ça s'énerve un peu plus. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de contrastes. Donc, c'est-à-dire que enfin, quand on s'amuse à illustrer une séquence, ça peut être vachement intéressant, justement, d'avoir ces éléments de contraste. Justement, cette intro qui est longue, elle peut Ouais. aussi accompagner toute une scène Bah, c'est ça, ouais. j'en sais rien, moi, très longue, et du coup, arriver au Un moment où ça climax, tape ouais, un ça tape, climax, où ouais. on arrive dans une soirée énorme. Typiquement, cette intro, elle peut en plus jouer justement un peu entre les lignes, sur ce qu'on disait sur cet aspect, qu'est-ce qui est la musique du film en tant que synchro, ou la musique qui est plutôt censée souligner les émotions. Là, cette intro, elle peut très bien au début être mixée de sorte qu'on a l'impression que c'est plutôt du score, de la musique originale, et finalement, ça débouche sur un moment, la personne arrive à une soirée et le truc. Tout le monde est branlé, On voit hein, exactement. Donc ça, ouais. c'est on sent qu'il y a vraiment matière à s'amuser. Moi, je dirais aussi que ça a un pote, moi qui ai fait beaucoup aussi de publicité au sein de Criminal, je trouve qu'il y a un gros potentiel pub aussi ici. Voilà, ça peut accompagner pas mal de campagnes. Donc moi, j'aurais tendance aussi à leur faire connaître le titre, parce que je ne suis plus chez Criminal, mais je les connais encore bien. Hein. Et donc, pourrait leur faire suivre le titre si l'artiste est intéressé. Ce truc d'intro longue, ça montre d'ailleurs le gros distinguo, c'est intéressant que ce soit dit, entre le potentiel radio et le potentiel synchro. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on sent, enfin, en radio, le mec, il serait déjà parti, quoi. Ben ouais, bien Il sûr. est parti, ça fait une demi-heure qu'il est parti. Le gars, il dit, moi, c'est. Ouais, merde, j'ai pas du tout fait la sélection en fonction de ça, ouais. Voilà. Alors, pas du tout radio. Et nous, au contraire, ça peut être super intéressant, comme pour les gens qu'on disait, ça peut être super bien que ça prenne du temps à se Bah mettre ouais. en place. Donc, ce n'est pas les mêmes impératifs. Moi, j'ai souvent, je ne sais pas si ça te l'a fait toi, des gens qui arrivaient avec des morceaux super radio, en pensant, je pense qu'il y a un gros potentiel à l'image. Ce n'est pas toujours Ouais. vrai, voire c'est assez souvent pas vrai. Bah du coup, on va continuer si ça vous va. Tout à fait, tu peux. Donc la deuxième, allez, c'est Ouais. parti. Still awake, I'm lying on grass. My mind shatters like broken glass. Pretty fate, like a prize. I'm sitting well on my demise. Lay with me till the sunrise. Don't question me when I fly. Or ask me, can you be mine? S'éparpiller au fond, tu sais que t'es seul dans ton délire. Moi, y'a qu'avec les miens que je m'en sors. Nos carapaces se renforcent. Affalé dans un canapé écarquillé, t'es mal à. Okay. Alors, il y a des trucs très intéressants parce que je regarde le chat aussi. Il y a des questions qui se posent au niveau du mixage. On est sur Audiofanzine, donc forcément, bah, ouais, les AFIens, ils parlent de mixage et tout ça. Et c'était une question que je m'étais posée quand j'ai commencé à écouter. Est-ce que, quoi, quand Steve, tu dois sélectionner quelque chose, à quel point le mixage est important ou pas? Est-ce que tu peux demander à l'artiste de dire, bah écoute, ta track, elle est cool, mais peut-être qu'il faudrait retoucher ça et ça. Ça t'arrive de faire ça aussi ou... Ça m'arrive pas de faire ça sur des morceaux dits de synchro. Ouais. Après, si sur la créa avec un musicien, j'en sais rien, un compositeur qui fait la musique du film et qu'en même temps, j'en sais rien, il crée une chanson originale pour le film,
Évidemment, parfois, on a eu le cas là, sur le film dont je parlais, Placé, avec Clément avant, où potentiellement, des comédiens du film peuvent être chanteurs. Là, c'est Aloïs Sauvage. Il y a des titres voilà, où, en gros, oui, tu essayes de mettre en avant ou plus ou moins la voix ou l'instru. Là, en l'occurrence, sur des titres finis qu'on reçoit, c'est rare qu'on demande au label ou à l'éditeur de dire ouais, est-ce que vous pouvez retoucher le morceau, etc. Si on prend le titre, c'est qu'il y a quand même pour nous quelque chose de fini. Mmh. Et que voilà, après, parfois, en effet, le mixeur du film ou le monteur musique peuvent dire ouais, est-ce que vous avez les stems? Et là, on peut essayer de demander en disant voilà, est-ce que voilà, il y a les stems? Parce que typiquement, pour la séquence, bah, ils aimeraient si c'est possible, mais bon, voilà. Parfois, on sait que c'est pas possible. Donc, on essaye un minimum de minimiser l'intervention sur les morceaux. Quoi. Déjà, sur les musiques originales des compositeurs, il y a toujours un dilemme, c'est qu'ils aient la place qu'ils veuillent en termes de visibilité et que ça ne soit pas vraiment mis à la cave. Déjà, sur le score, ça, c'est compliqué. Souvent, les mixeurs ont tendance à sous-mixer les musiques. Après, ça dépend vraiment des réals. Mais voilà, on essaye de faire en sorte que déjà la musique soit bien, bien utilisée et qu'elle soit bien audible. Quoi. Si la question c'est de savoir est-ce qu'il faut que ce soit super bien mixé pour que ce soit dans un film, moi j'aurais tendance à dire non, en fait ça dépend vraiment du track. Tu peux avoir des morceaux super lo-fi, mais au sens lo-fi tel qu'on l'entendait il y a encore quelques années, avec des trucs vraiment bricolés. Et c'est tout le truc justement un peu fait à la maison qui va rendre la séquence super touchante. On va en écouter un plus tard, mais nous, il y a des titres qui nous ont fait un peu penser à des morceaux qu'il y avait dans Little Miss Sunshine ou des films comme ça, un film américain. Et donc, il y a cette dimension charmante que justement, ce n'est pas une grosse prod. Et donc, faut se méfier aussi de l'aspect un peu technique pour la technique. En tout cas, si telle était la question... C'est pas forcément le sujet, mais il faut être suffisamment technicien pour choisir de faire un truc volontairement pas technique. Enfin, c'est ça. Il faut que ça reste un choix artistique. Ah oui, exactement. Il ne faut pas que ce soit subi. Ouais. Exactement. Et artistiquement, en effet, parfois, il y a des. Moi, j'ai eu des cas où voilà, il y a des reprises qui pouvaient être faites, par exemple, à la guitare sèche, sans rien d'autre. Prise comme ça, parce que c'était un rendez-vous, voilà, c'était des essais, et au final, c'est les versions qui peuvent rester même au mix, et il n'y a pas eu de mastering, le titre n'est pas. Voilà, mais ça, c'est des motivations artistiques où le réal, il se dit non, mais c'est ça que j'aime bien, c'est le truc, hein, le côté un peu whip, ce côté-là, ouais, un peu fait à la maison, et ça sonne comme ça, et voilà, sans trop d'artifice. Mais en effet, c'est plus. Il ne faut pas le subir, il faut que ça soit plus un choix artistique, mais ça existe, c'est possible. Ok. Que dire du coup sur la track du coup qu'on vient d'écouter? Le morceau là, du coup, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il y avait un côté assez hybride avec ce chant un peu mélancolique chanté en anglais qui pouvait me faire penser à des titres un peu de Rag & Bone Man ou de Rai X, et qui ensuite, on n'a pas tout entendu après, mais qui part sur un côté un peu plus urbain chanté en français. Je trouvais ça hyper intéressant dans le morceau parce que voilà, ça peut arriver. Moi, j'ai eu le cas où on peut travailler sur du répertoire urbain moderne. C'est de plus en plus le cas avec certains contenus créés. C'était moins le cas avant. Mais j'aimais bien ce côté voilà, de rap français mélangé avec un côté un peu guitare chantée anglais mélo. Je trouvais ça hyper intéressant comment il était produit aussi et la construction du titre. Ouais. Moi, j'ai toujours mon travers, parce que chez Criminal, on décrivait la musique avec plein de descripteurs en fait, sur l'outil qui respire justement ce qu'on est en train de construire maintenant. Et voilà, moi, pour le coup, ce titre-là, s'il avait fallu le décrire à la main, je l'aurais décrit comme étant éthéré, intimiste. Et effectivement, stylistiquement, on est à la frontière entre une musique qui fait justement un peu cinématographique, folk et urbain. C'est vraiment le genre de type qui irait super bien sur des moments plus introspectifs dans un film ou une séparation, le moment où on a le mec et la nana, ou les deux mecs ou les deux nanas, histoire de ne pas être trop dans l'ancienne, avec un split screen, etc., où chacun est en train de repenser à leur aventure et comment elle est allée. Enfin, voilà, tout ce truc, ça, c'est sûr que ça marche ultra bien. Ouais, quoi. C'est ça l'association. Et voilà. Ok. Suivant du coup? Ouais. Allez, c'est parti.
juste avant de parler de Dream Designer, là, de la track qu'on vient d'écouter, pour la chanson précédente, ça parlait genre ouais, dans les petits mouchoirs, ça pourrait être pas mal et tout ça. Donc voilà, justement, on a Guillaume Canet avec nous, donc je voulais te poser la question. Alors, Never Use After Midnight, on l'a sur le chat et il est super content. Voilà, d'avoir déjà d'être. C'est ce qu'il dit. Il dit déjà rien que d'être là, je suis déjà super content. Donc alors évidemment, il y a pas mal de références qui sont sorties dans le chat, Kavinsky et etc. Forcément Drive et etc. Donc voilà. Bah, c'est exactement ça le côté de ce titre-là. Moi, j'ai en effet pensé à ça, mais c'est surtout au producteur américain de Portland, Johnny Jewell, qui est le musicien, un compositeur qui a créé le label Italian Do It Better et qui a développé énormément d'alias musicaux avec Glass Candy, Chromatics, Desire. Et en gros, toute cette esthétique-là et ce son-là, en fait, qu'il a produit depuis maintenant 20 ans, quand ça s'est retrouvé sur Drive, bon, bah, y a eu un titre de Chromatics. En effet, il y a Kavinsky qui avait ouvert le film. Mais ça a créé tout un mouvement, en fait, à ce moment-là. Mais lui, c'est vrai qu'il le faisait depuis très longtemps, tous ces synthés analogiques, ce côté synthé qui est hyper dominant dans les morceaux, avec parfois des voix un peu voilà, hypnotiques, aériennes, atmosphériques. C'est un genre hyper marqué. Et à un moment, au moment où il y a eu Drive, c'est des références qui sont beaucoup revenues, en fait, assez souvent. Voilà, après, c'est hyper cinématographique parce que, voilà, en ciné, il y a la place pour mettre des choses comme ça qui évoluent. Bon, même, je pense que même au-delà de ça, Drive et le cinéma à travers ce film a amené une esthétique et un truc qui s'est du coup reporté sur la pub, parce que je crois qu'aussi à ce moment-là, en pub, il y a eu beaucoup de briefs liés à ça. Voilà, mais c'est super de pouvoir laisser la place à ce genre de morceaux sur ces films-là et à les mettre hyper en avant et à leur donner la place qu'ils ont, parce que là, sur ce film-là, Drive, on est un très bon exemple. Tout le monde retient la musique, quoi. C'est un film, voilà, c'est un des personnages du film, quoi. Il y a un sujet, moi, que je trouve aussi important de peut-être d'évoquer par rapport à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, c'est aussi la recherche de singularité. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, Steve en a parlé tout à l'heure, parfois, on va avoir envie de prendre quelque chose qui va nous permettre de facilement répondre à une demande dont on sait qu'elle est un peu récurrente. Typiquement, j'aimerais un truc un peu à la Drive, tu vois, avec un réel. Mais en même temps, je pense qu'on a tous aussi à cœur d'apporter toujours sa pierre à l'édifice. Donc là, en l'occurrence, je ne me rappelle plus très bien comment il évolue le morceau. Ce qui est sûr, c'est qu'il a du potentiel. En même temps, j'aurais toujours tendance à encourager les compositeurs, enfin, ou les producteurs, ou les labels, à aussi apporter toujours leur pierre à l'édifice. On l'a dit tout à l'heure, le morceau, ce qui nous a plu par exemple dans le premier morceau, c'est que c'était effectivement aussi une rencontre entre ce côté Wurlitzer 70s super tramp avec un truc à la Justice des années plutôt 2010. Ce qui est intéressant, c'est aussi d'essayer d'aller chercher des hybridations et de malmener un petit peu les références qu'on a pour soi-même. Mais parce que ça rendra la musique absolument unique et ça fera qu'on ira vraiment chercher complètement spécifiquement ce morceau-là pour toute sa singularité. Et pas juste parce que finalement, il greenlight aussi des codes qui sont des codes qui peuvent nous intéresser. Je ne sais pas si j'étais très clair dans ce sens. Si. Écoute, on va passer à la suite, du coup. Dans la radio. Stay.
Bon, forcément, hein, ce qui ressort dans le chat, mezzanine, hein, forcément, Ouais, massive attaque de la fin des années 90. Bon, évidemment. j'adore, j'adore. Ouais, mais... Non, mais voilà, c'est que c'est des mouvements aussi assez identifiés, en effet, Portishead ou Massive Attack, et ça fait penser à ça. Et typiquement, oui, je pense qu'il y a beaucoup de réals qui aussi peuvent construire des scènes ou des séquences en ayant des musiques en tête. Ce n'est pas le cas de tous, mais ce genre de musique peut appeler ouais, à des séquences musicales, quoi, Ouais, c'est dans... parfait pour ça, Voilà. Et c'est assez lent, ça a le temps de se poser, voilà, c'est singulier comme ça peut l'être, et voilà, ça joue, c'est un peu une rêve qui peut revenir souvent, en effet. Yes, et eh ben écoute, on passe à la cinquième du coup. Et c'est parti. Stretch my arms, trapped like a bird without no wings for flying. Don't really have much to change my mind. I can see the sun through the window, and I feel much better somehow. Bon, en tout cas, le côté majeur, voilà, good feeling, c'est bien aussi parce que finalement, c'est assez sous-représenté, je trouve, le côté. C'est vrai qu'on tend souvent à entendre des musiques mineures, voilà, côté mélancolique et tout ça. Et je trouve ça cool aussi d'avoir ce genre de chansons, personnellement. Voilà, c'était. C'est très signifiant, là, I Can See the Sun, tout ça, c'est, en effet, on voit tout de suite sur quoi ça peut aller. C'est d'ailleurs le cas des trois morceaux qui suivent, les deux de Nova Waves et de Pierrot. Il y avait ce côté-là, en effet, ce dont Clément parlait au début, c'est que ça peut facilement se retrouver sur du cinéma indépendant américain, notamment parce qu'ils ont cette culture-là et qu'ils adorent utiliser ce genre de musique sur, en effet, des films comme Juno ou Little Miss Sunshine, des trucs assez comme ça. Un peu ouais, un cinéma indé américain, quoi. Et après, en France, on a moins de facilité à utiliser ce genre de choses, mais ça vient quand même beaucoup sur des quand même des comédies. Il y a la place pour ça aussi, et c'est aussi pas mal utilisé, donc voilà. Et le morceau est très bien produit, et bravo à Nathan. C'est vraiment les types qui font des parfaits génériques de fin aussi. C'est Ouais. vraiment qui plaît, tu as passé un bon moment, et franchement, là, c'est vrai qu'on aurait pu indépendamment prendre, ouais, les quatre, Ouais. celui-là plus les trois suivants, comme disait Steve. Ils avaient tous une vibe vraiment un peu cousine, avec certains, je crois, de mémoire qui étaient plus lo-fi. Donc ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur le côté prod. La prod, c'est pas forcément super important. À la rigueur, encore une fois, un truc avec un vieux charango Ouais. enregistré dans une cuisine, et la réverb de la voix, ça peut faire 90% du charme d'un morceau, quoi. Bien Donc sûr. on n'est pas, personne n'est là pour juger, hein, est-ce qu'il a fait la SAE ou Ouais, c'est machin. En ça. fait, au moment où on décide, on s'en fout. Et à la rigueur, peut-être que la personne a un bon boulot, etc. Et vraiment, pour le coup, et encore eux, on s'en fiche complètement. C'est marrant, c'est que la musique, c'est quand même, on le dit peut-être pas assez, c'est vraiment un des artefacts les plus puissants pour véhiculer enfin, pour gérer les émotions que vont les spectateurs d'un film ou d'une œuvre audiovisuelle, quelle qu'elle soit. Et c'est marrant parce que on se rend compte que ça marche très très bien pour gérer des émotions tristes ou des émotions de peur, etc. En revanche, moi, c'est ce dont je me suis rendu compte parfois quand on nous a confié des mauvaises comédies. Tu peux mettre le morceau le plus happy feeling, la mauvaise blague, ça reste une mauvaise blague. Tu pourras
tu pourras jamais la sauver, quoi. Tu ouais, peux pas, ça marche pas. C'est clair. Du coup, pour la suite, vous voulez faire comment? On pourrait peut-être juste écouter un dernier, le 2050, parce qu'on pensait à un truc, mais ceux d'avant, comme on disait, ils étaient plutôt dans le même mood. Ouais. Et on va passer au plus au score, hein, instru, etc. C'est un de ma team, ça, je me souviens. Ouais. Allez, on le met. Alors Dimitri est sur le chat, donc salut Dimitri, justement, donc il a l'air content aussi, alors évidemment, sa chaloupe, sa Buena Vista, sa Cap Vert, etc. Mais il y a le twist, je trouve, moi, qui était intéressant, justement, quand la voix arrive. Ouais. Non, on s'était dit avec Clément que ça pouvait carrément faire un générique, et nous, ça nous faisait penser à Narcos, en fait, à Tuyo, le titre de Amarante, Rodrigo Amarante. Et oui, il y a ce petit côté un peu soleil, cool, chaleur cubain, quoi, Buena Vista Social Club. Exactement. On a une grosse dose de spleen en même temps, ouais. Une charge émotionnelle. Ouais. Carrément. Moi, je trouve magnifique et magnifiquement bien produit. Enfin, franchement, le niveau. Mais le bravo, niveau, Dimitri. Le niveau, il est vraiment fou. Donc, du coup, pour la suite, vous voulez faire comment? Eh ben, on va passer. Tu peux passer sur l'autre page. Allez, c'est parti. Là, c'est intéressant du coup parce qu'on change de style. Alors du coup, qu'est-ce que vous écoutez quand vous êtes plus sur justement les instrus, les scores, c'est-à-dire vraiment les choses qui se dessinent vraiment musique à l'image, quoi, finalement? Bah, c'est beaucoup la compo, quoi, l'écriture du morceau, voir comment il évolue, parce que en fait, si c'est utilisé sur des images, des séquences avec des persos, l'important. Parfois, il faut que ça boucle, que ça loupe et que ça soit un peu répétitif, mais il faut quand même que ça puisse évoluer comme les personnages évoluent sur la séquence, etc. Donc, c'est aussi beaucoup la construction du morceau, voir s'il se passe des choses, si ça évolue et que ça ne reste pas toujours la même chose. Là, il y a une vraie intro, après ça, il y a les violons et puis il y a cette drum qui rentre. Il y a un petit côté rône un peu dans le son aussi. Et on se disait avec Clément, quand on écoutait, on disait, mais attends, mais on connaît, on a l'impression de on pensait qu'il était signé, ce jeune homme-là, Man Brown. Là, on fait plus appel au côté compositeur de musique à l'image des musiciens. Du coup, il ne faut pas oublier que c'est un travail de commande. Donc, on commande quelque chose. Donc, on est au service d'un réalisateur ou d'une réalisatrice qui souvent a développé un film depuis 2, 3, 4 ans. C'est son bébé. Et donc, voilà, il ne faut pas oublier que
ce qu'on va créer, ce que le compositeur ou la compositrice va sortir. C'est aussi, en fait, pour moi, c'est un dialogue entre les deux. Et de ça, de cette relation, va naître la musique originale qui n'existait pas avant ça, en fait. Pour devenir compositeur de musique à l'image, notamment compositeur de musique de film, il y a quand même une grande part d'écoute, de mise à disposition de son talent, de sa façon de faire, de sa pratique de la musique pour quelqu'un qui développe un projet. Alors après, voilà, il y a plein de musiciens aujourd'hui qui font des carrières en tant que musiciens artistes et qui sont appelés à faire des musiques de films parce qu'on vient les chercher pour ce qu'ils ont fait en disque. Il ne faut pas avoir peur de se faire malmener parce qu'effectivement, ce n'est pas toujours simple de travailler pour un tiers. Ce n'est pas du tout la même chose que de travailler pour soi-même. Et quand on se fait jeter une séquence sur laquelle on a passé trois nuits et en disant « non, mais ça ne va pas du tout », ça peut être vexant, quoi. Donc, il faut avoir une capacité d'encaisser les choses. Il y a une question intéressante juste sur le chat. Il y a Chayouloud qui demande si les compositeurs qui ne sont pas très bons musiciens et qui donc ne font pas de scène et préfèrent tout programmer dans le séquenceur ont quand même leur place ou pas. Ah, bah ouais, bien sûr. On peut te citer plein de mauvais musiciens. Hein. On ne le fera pas à nouveau parce qu'on est filmé. Non, mais ouais, c'est toujours pareil, c'est de se dire la technique, c'est un moyen, c'est pas une finalité. Elle est importante, la technique, mais elle doit normalement s'effacer au profit de l'écriture, de la singularité, etc. Et elle permet plus généralement à ceux qui ont beaucoup de technique d'avoir plus de vocabulaire potentiel, mais ils peuvent aussi justement se perdre dans l'aspect technique des choses, là où justement quelqu'un de moins technique va s'emparer de l'essentiel qui est l'émotion, l'accompagnement de la séquence. Yes. C'est pas deux choses antinomiques, mais en même temps, voilà. Parfois, des gens techniques, ça peut être simple. Bon, bah, du coup, je mets le deuxième exemple, ok? Ouais. J'adore quand ça part, il y a un côté liquide que j'adore. Merci. Ouais, il est assez dingue. Hein, le morceau est vraiment bien. Après, il évolue encore un peu plus, il s'énerve un peu plus, mais c'est vrai que il y avait deux titres, je crois, de Hazel Farah. C'est vraiment bien, très bien produit. Moi, ça me faisait vraiment penser à. C'est parce que j'ai des rêves en tête, mais le dernier film de Gavras, Athéna. Où il y avait le groupe Generation 8, c'était le groupe de Turquine, là. Ils ont fait ce genre de musique un peu épique, un peu combative, qui a pas mal été utilisée aussi en pub, je crois. Il y a quand même un petit mouvement là-dessus. Et tout le début du morceau me fait beaucoup penser à l'intro du morceau Gauche de Jamie XX aussi, le membre du groupe The XX. Et du coup, ça m'a hyper marqué l'intro. Mais après, dans sa construction, ouais, je le vois bien dans un univers un peu comme ça, un peu à la Gavras ou des films un peu plus épiques, avec un truc de conquête, etc. Mais dans un son moderne et moins classique. Quoi. Ouais. Publicitairement, ça pourrait aller aussi sur des grosses campagnes Apple. Nous, on a fait plusieurs. On avait fait justement une campagne, je crois que c'était avec... sur Kim, je crois, et une grosse campagne pour le lancement de je ne sais plus quel produit. Et donc, ces films très en motion où il y a les trucs qui vont à 400 heures, il y a vraiment un côté ultra, ultra bestial, moi je trouve. Un truc genre
Ça pourrait aussi remplacer parfois, parce qu'il y a un morceau. Enfin, parce qu'au bout d'un moment, il y a des espèces de tubes synchro. On l'a pas trop dit jusqu'à présent, mais typiquement Moderat, c'était devenu un peu un tube synchro. Il y a des espèces de titres. Johnny Jewel a pu l'être. Et là, dans un sens, ce titre-là, même s'il est beaucoup plus up-tempo, il y a ce côté. Moi, ça ne m'étonnerait pas que ça marche bien pour remplacer un Black Skinhead de Kanye West, qui a été un titre énormément demandé tant en publicité. Qu'en cinéma. D'ailleurs, ça me fait penser que c'est ces deux titres qui ont des tournes, le Moderat et celui-ci. Et ça, pour le coup, sachez-le, moi, je trouve qu'il n'y en a jamais tout à fait assez, alors que c'est des titres qui ont des trucs qui tournent à la... Le truc mortel, c'est que, en fait, quand ça tourne comme ça, il y a une espèce de double lecture. Si on regarde que le premier temps, finalement, ça peut marcher sur des images lentes. Et le côté... fait aussi que ça peut marcher sur des images qui cavalent. Et donc, en fait, d'un point de vue du ressort narratif et de l'accompagnement des images, ça marche super bien tant sur des trucs en slow motion que des séquences où ça cavale. Il y a une double lecture de la métrique. Alors, ça, c'est peut-être le côté batteur qui parle, mais je trouve que généralement, ça décuple le potentiel de synchronisation du titre. Bon, on enchaîne? Ouais. Allez, c'est parti. C'est bien aussi. Hein. Wow. C'est un peu ce côté hybride, je trouve, un peu à la Fortet ou Bonobo, un peu, où il y a ce piano un peu classique, comme ont pu avoir des Nils Fram ou des ou la Fura Arnalds, mais je trouve qu'il y a un petit truc en plus avec cette drum, ces sons un peu texturés derrière, qui amènent un petit truc en plus, et avec cette écriture un peu mineure, mélancolique, qui peut marcher sur pas mal de séquences de déambulation, de paysage, j'en sais rien, mais c'est moi j'aime bien ce son là aussi, et ce qu'il avait proposé aussi, il en a eu deux autres petits, je crois, Neptune Horizon, c'était vraiment hyper bien produit aussi, son hyper clair, vraiment hyper hyper beau, hyper bien fait, quoi. C'était vraiment bluffant, effectivement, là en le réécoutant, moi je trouve qu'il y a un côté aussi un peu à la Santa Olaya, donc on est un peu dans les atmosphères quand même. Style assez mental aussi, j'adore l'idée de déambuler. Enfin, voilà, on voit qu'on est on n'est pas dans de la légèreté, hein, c'est pas du Juno, on est complètement ailleurs, mais c'est super puissant parce qu'il y a plein de couches. Ça me fait vraiment penser au film d'Inaritu aussi. Ouais, c'est, sympa. C'est vraiment une grosse classe aussi. Encore, on continue, ouais, allez, c'est parti. Thank you.
Voilà, c'était Loïc Louvel avec Please Remember Me. C'était super, j'aimais beaucoup aussi le mélange là, comme ça, piano avec le violon assez sec du Larcher, même les couches de piano qu'il met après, il mélange des choses. C'est vraiment, c'était bien, bien fait aussi. On entend une incarnation. Ça se trouve, peut-être, je ne sais pas si Loïc l'a maîtrisé ou s'il l'a subi, mais en attendant, ça rallonge sur ce truc de. C'est ça qui est. Enfin, moi, je trouve que c'est notamment ça qui est intéressant. Ça rend. La chose très intime, tu as l'impression d'être là. Ça me fait penser par exemple au premier solo piano de Gonzalez où les micros, ils avaient fait exprès de les mettre très près des doigts pour que tu entendes les choses. Et ça participe énormément par rapport à si c'était fait avec un VST super clean potentiellement. Et ça peut être impressionnant de technicité à nouveau, mais on perdrait tout ce truc humain où là, moi, j'ai presque l'impression de l'entendre. Le côté original, ouais, le fait qu'on puisse penser que c'est des erreurs, mais ça amène un truc en plus qu'en effet, un VST ou un truc hyper carré, droit, nickel, là, au moins, comme tous les autres compositeurs, comme, je sais pas, Oshka ou les mecs qui ont des pianos préparés et qui jouent, et en fait, tu sens tout, tu entends aussi beaucoup de trucs. Voilà. Pour moi, ça amène un truc global dans la texture de l'audio qui fait que c'est original, en fait, et que ça va... C'est pas genre l'autoroute droit d'un truc que tu connais et que voilà, il y a une singularité en fait dans la fabrication de l'audio en fait. On passe du coup à Thomas Leverger, si ça vous va. Parce qu'on les a pas mis dans l'ordre ceux-là. Enfin, ah d'accord, vas-y, alors dis-moi. Le titre de Brice Mia, opening, le dernier de Brice Mia. Ouais, ok, ça marche. Okay. C'est parti. Opening. Ah, il y a une longue intro, je ne sais pas si... C'était Brice Mia avec Opéra. Oui, du coup, là, c'est très, pour le coup, on le voit sur des films, là, t'as l'impression d'être sur des séquences où t'es avec un mec ou une meuf seule dans sa tête, limite dans l'espace, Interstellar. Enfin, pour moi, ça m'a fait penser à ça. J'aimais beaucoup la simplicité du morceau, en effet, avec ce truc qui tourne, cette tournerie, cette boucle et avec la nappe qui rentre derrière. Et voilà, c'est assez mental, assez machine, mais tu le vois hyper, enfin tu peux le voir sur des films un peu genre Interstellar, un peu film tech, truc un peu on sent la machine dans le morceau. Et du coup moi ça me parlait, j'aimais bien l'identité du titre. Moi je trouve qu'il y avait aussi un petit côté Stranger Things aussi, potentiellement angoisse, un peu stress, mais mental aussi très mental, je suis d'accord. C'est marrant parce que le fait que tu aies parlé d'Interstellar, ça me faisait réaliser que justement, si c'est pareil dans l'espèce de fil rouge sur la singularité, même des compos comme Hans Zimmer lui-même ont compris à un moment donné qu'ils ne pouvaient pas passer leur temps à se singer eux-mêmes et ils doivent se renouveler dans leur propre singularité. Et c'est vrai que moi, j'associe à un moment donné, Zimmer, ça devenait vraiment... moi, je trouvais que ça devenait vraiment une énorme blague. C'était tout le temps la même chose avec des espèces de gros timpanis... c'est toujours un MBO et je pense qu'à un moment donné, il a compris qu'il fallait se renouveler. Moi, j'associe ça à peu près à Inception. Et typiquement, sur Interstellar, il y a notamment un vrai orgue dessus. Et franchement, ça apporte par exemple, énormément, je trouve, à la singularité
de cette BO. Et c'est vrai qu'à un moment donné, la singularité, elle peut venir de l'écriture, elle peut venir de l'arrivée d'un instrument totalement inattendu, une viole de gambe, un charango, que sais-je encore. Enfin voilà, réussir à trouver un vocabulaire spécifique à l'écriture du compositeur, mais plus encore peut-être même du projet sur lequel il est en train de travailler, qui fait que, ben, à un moment donné, c'est voilà, la rencontre d'un violoniseur, plus de ceci, plus de cela, ça fait tout à coup une formule qui n'est pas complètement éculée, complètement rincée, et qui fait que finalement, on ressort de là avec la sensation d'avoir découvert quelque chose de nouveau, quoi. Ok, alors comment vous voulez du coup finir toute cette histoire? On voulait encore une fois surtout ouvrir la porte de ces métiers qui sont des métiers passionnants et peut-être parfois un peu fantasmagoriques ou méconnus. On espère avoir déjà su lever le voile un peu là-dessus. Maintenant, le next step, comme on le disait, parce qu'on voulait essayer de faire une promesse qui soit à la hauteur des enjeux. Donc, le principe, c'est effectivement que tous les titres qui ont retenu l'attention de Steve et ceux, je réalise pendant que je le dis, qui ont retenu mon attention, moi, je vais pouvoir aussi les faire connaître à mes anciens collaborateurs qui continuent à porter fièrement la société. Donc, l'idée, c'est quand on dit vous allez intégrer la playlist, on va essayer de trouver un mot à peu près explicite, c'est que on aurait bien tort de ne pas vous appeler le cas échéant quand il va y avoir des opportunités pour les titres qu'on a écoutés. Parce que, comme on l'a dit aussi, la synchro, finalement, c'est la rencontre entre une œuvre musicale et une œuvre audiovisuelle. Et quand ça se passe, et la finalisation de tout ça, c'est à un moment donné, ça va être un contrat, ça va être une négociation, etc. Et en l'occurrence, il y a le truc qui peut être intéressant ici, c'est que on est dans un contexte. On a très brièvement parlé de Black Skinhead. Quand vous voulez acheter le titre de Black Skinhead, vous pouvez parfois avoir envie, mais c'est pas forcément toujours si simple que ça d'acheter certains titres du commerce. Donc là, en l'occurrence, l'idée, c'est que le cas échéant, quand il y aura une opportunité de placement d'un des titres qu'on a écouté aujourd'hui, mais peut-être même d'autres. Encore une fois, c'est vraiment pas pour être sympa, hein, parce que je suis pas un mec spécialement sympa. Non, mais on a vraiment beaucoup, beaucoup de titres qui nous ont plu. Donc, la promesse qui va être faite, je pense, c'est juste de se dire, bah, le cas échéant, si on a une opportunité de le proposer, de le présenter à un réalisateur, un film, etc., ou une publicité en ce qui concerne Criminal, on le fera avec grand plaisir et on prendra contact avec les intéressés, puisque de toute manière, dans toutes les soumissions, il y avait les mails, c'est le principe aussi, encore une fois, de l'outil. Et la finalisation, elle se fera évidemment qu'avec l'accord des ayants droit. Encore une fois, tout ce principe de la synchronisation ne repose que sur l'autorisation des artistes et des ayants droit en général, que ce soit les artistes, les compositeurs, les éditeurs, les producteurs, d'autoriser ou non l'utilisation d'une musique. Donc rien ne peut se faire sans vous, soyez parfaitement rassurés. Là, l'idée, c'était juste, on a pris connaissance de votre musique et on reviendra vers vous, potentiellement peut-être très vite, peut-être un peu plus tard, le jour où on a envie de vous proposer quelque chose d'un peu plus concret, parce que ça ne sert à rien dans ce métier-là de faire de s'engager des artisans, parce qu'en fait, c'est l'opportunité qui va faire qu'on aura l'occasion de travailler avec vous. Le principe, en tout cas, c'est que vous n'allez pas quitter la playlist de Steve, et je pense aussi, sans trop m'engager, pour beaucoup d'entre vous aussi, la playlist de Criminal, donc, qui est une société de supervision cinéma et publicité également. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire. On va organiser ça. On va décider dans tous ceux qu'on a écoutés quel est le grand gagnant. J'avoue qu'on n'a pas encore complètement pris notre décision dans le sens où, en fait, je crois que vous l'avez compris. On a été bluffés. J'ai l'impression que ça semble être partagé par les gens. Moi, je n'ai pas vu le chat, mais j'ai l'impression que tout le monde est high level. Donc à nous de. Alors, est-ce que vous voulez vous concerter? Vous avez besoin de 30 secondes? Comment on fait? Il est 14h. Il est 14h là. Allez, concertez-vous. Ouais. Attention, roulement de tambour. On vous laisse un peu de temps.
C'est une décision importante quand même. Eh bien, tu... non, vas-y, quand Neptune Horizon. Neptune Horizon, bah écoute, bravo à toi, Neptune Horizon. Tu es donc le grand gagnant de ce premier concours réalisé sur Audiofanzine avec Bridge Audio. Tu as gagné un appel avec Steve, donc un pro, un vrai pro, qui je pense va pouvoir t'apporter beaucoup de choses, même si le talent est là, ça c'est clair, mais dans la musique, on le sait, le talent ne suffit pas toujours. Donc lui, je pense qu'il va pouvoir aussi t'apporter plein de conseils. Eh bien écoutez, sur ce, merci en tout cas Clément et Steve d'avoir fait ce concours avec nous. Merci au chat évidemment d'avoir été présent. Merci à tous les AFIens qui ont fait les propositions du coup. Vraiment, vous êtes doués. Que dire de plus ? Vous êtes très très doués. Continuez évidemment, et puis continuez d'aller sur Audiofanzine, bien entendu. Et puis, écoutez, nous on vous dit en tout cas très bientôt sur les channels YouTube, Twitch, sur la page Facebook d'Audiofanzine et sur Audiofanzine bien sûr. On vous dit à très bientôt pour une émission, une interview. Pourquoi pas un autre concours prochainement, je ne sais pas, on verra comment ça se passe, et puis on vous dit à très bientôt, et puis portez-vous bien, allez, ciao. Salut, ciao.